Et bien salut à tous, c'est Dodo Info, j'espère que vous êtes bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui c'est la fin de l'année, et oui c'est la dernière vidéo de cette année, il y en aura d'autres l'année prochaine. On est le 31 décembre et ce soir c'est le nouvel an de 2017. Donc bon, on va parler aujourd'hui, donc je vais vous remercier pour cette meilleure année de toute ma carrière YouTube qui s'est passée. Vraiment, j'étais vraiment très très content de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, les partages, les vues, les abonnés, plein de commentaires positifs, tout ça. Donc franchement, je vous remercie vraiment à tous du fond du cœur, que cette année, ça a été l'une de mes préférées années. Même, c'est la première année où YouTube, ça s'est très bien passé. Et donc, voilà, je suis très très content de cette année. J'espère que les années suivantes seront encore meilleures. Ça, je l'espère, ça dépend de vous. Donc, dans cette vidéo où je vous remercie, on va parler de quelques trucs sur la chaîne YouTube. Donc, pour éviter que vous voyez mon fond d'écran ou moi en train de parler, qui soit un peu, qui est un peu ennuyant, je vais vous faire passer quelques vidéos de cette année. Donc, par exemple, on va commencer par des vidéos de cette année. Donc, au total, on a eu 48 vidéos. Donc, c'est égal à peu près 4 vidéos par semaine. Donc, il n'y a pas eu 4 vidéos par semaine. Donc, il n'y a pas eu 4 vidéos par semaine. C'est des vidéos que j'ai rattrapées. Parce qu'il y avait des semaines où j'en faisais pas. Donc, j'ai rattrapé sur une autre semaine. Parce qu'il y a des semaines où j'en faisais 2. Il y a des semaines où j'en faisais pas du tout. Donc, je me suis rattrapé. Et au total, on en a fait 48. Donc, à peu près. Hein, s'il faut, il y en a 47. Voilà. Mais à peu près, on en a fait 48. Donc, c'est pas mal, je pense, pour cette année. L'année prochaine, il y aura beaucoup plus. Ne vous inquiétez pas, il faut continuer à me suivre, toujours être connecté sur la chaîne YouTube. Si vous n'avez pas mes réseaux sociaux, ils sont dans la description de la vidéo et vous recevez les nouvelles vidéos sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est plutôt simple, ou sinon vous cliquez sur la petite cloche en dessous de s'abonner, comme ça c'est encore plus rapide. Voilà, au total cette année on a sorti 48 vidéos et au milieu de l'année on est passé à 1000 abonnés. Donc franchement un grand merci à vous, parce que les 1000 abonnés, franchement c'est 1000 personnes qui vous suivent et ça paraît pas, mais c'est quand même beaucoup. Moi dans ma vie j'ai jamais vu en face de moi 1000 personnes. Donc voilà, c'est vraiment énorme, 1000 abonnés. Et voilà, là aujourd'hui on fait que monter. Donc continuez comme ça, c'est très bien. On va parler des commentaires. Donc cette année on a eu des commentaires, on a eu un peu de tout. Donc on a eu des commentaires positifs, négatifs et moyens. Donc voilà, ça dépend des vidéos, donc moi je vais vous dire pourquoi, il y en a ça marche pas tout ça. Donc déjà on va commencer par les commentaires positifs, que je remercie à toutes les personnes qui me disent plus un like, plus un abonné, je partage ta vidéo, voilà tout ça. Donc ça c'est des commentaires assez cool. Après il y a des commentaires moyens, ça marche pas, j'ai pas le même téléphone, voilà comme ça, comme j'ai eu à droit sur le Wiko Rini, sur la vidéo de Mobizen. Donc voilà, sur cette vidéo j'ai eu des commentaires où j'explique une astuce, mais moi je présente qu'une astuce, j'ai pas d'autre. Donc il faut suivre l'astuce de la vidéo. Tant que vous êtes sur Android, il faut suivre la même astuce parce que la vidéo est faite pour Android. Et après il y a les commentaires méchants, enfin méchants, plutôt désagréables, on va dire, on va rester sur un terme quand même assez correct, des commentaires assez désagréables disant que ça marche pas, t'es un gros con, voilà tout ça. Donc franchement les gens, vraiment je sais pas, calmez-vous, il y a des vidéos, voilà, ça marche pas à tout le monde, on n'a pas le même appareil, s'il faut on n'a pas la même version. Donc je parle surtout de Minecraft. Donc Minecraft, le code triche que j'ai fait, la vidéo qui a eu le plus de vues que vous voyez juste à l'instant là. Donc voilà, sur cette vidéo on a eu vraiment de tout en commentaire. On a eu du très bon, on a eu du moyen, on a eu vraiment du mauvais, vraiment catastrophique. Voilà, que t'es con, t'es nul, voilà. Bon, bref, je vais pas continuer à les gros mots. Voilà, les gens, vraiment, calmez-vous. Regardez la version qu'il y a sur Minecraft, sur quelle version je la fais. Aussi, votre crack, parce que si vous n'avez pas acheté Minecraft, peut-être c'est ça dépend de votre crack. Donc, voilà, faites très attention, regardez avant de critiquer. Bon, ça, j'accepte, après, c'est mes premières vidéos. Donc, peut-être qu'il y avait dit t'es con, tout ça, pour un manque de travail. Parce que je dis tout ça, donc ça m'arrive encore aujourd'hui à le faire, mais ça s'améliore. Enfin, c'est à vous de me le dire. Donc voilà, sur les anciennes vidéos, je comprends, mais bon, me dire t'es con, tout ça, je sais pas, mais calmez-vous, on retient ce qu'on dit. On peut dire oui, t'aurais pu faire mieux, voilà tout ça. Là, oui, j'accepte, mais me dire t'es con, non, ça ne le fait pas. Il y a plein d'autres gros mots, mais je vais pas le dire dans cette vidéo, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, on est là pour parler des commentaires et pour dire voilà ce qu'il faut stopper et ce qu'il faut penser avant d'écrire. Donc voilà. On va parler des abonnés, donc on en a parlé un peu en début de vidéo. Donc voilà, à peu près en juillet, on a atteint les 1000 abonnés, donc en milieu d'année. Donc ça, c'est vraiment un grand, grand merci à vous tous. Vraiment, continuez, je vois que ça augmente à peu près tous les jours. Tous les jours, j'ai un abonné, enfin, 1 ou 5, donc c'est très bien. Donc voilà, je vous remercie pour les abonnés. Les concours, eh oui, cette année, en fin d'année, je me suis pris un peu trop tard. Je me suis dit, je vais faire un concours. Et ben, j'avais dit qu'il fallait atteindre les 70 000 abonnés sur la vidéo des 5 cadeaux high-tech pour moins de 100 euros.
Et bien sûr, sur cette vidéo, on n'a pas atteint les 70 000 vues parce que, voilà, il n'y a pas eu peut-être tout le monde qui a partagé, peut-être on n'est pas assez sur la chaîne YouTube, donc voilà. C'est le problème, mais je me suis pris un peu aussi un peu trop tard. Je prévois des concours, je fais des demandes avec des marques, je fais des partenariats, donc voilà, je fais des demandes à des marques, tout ça, qui puissent m'envoyer des produits, qu'on puisse les tester, tout ça, et que je peux les garder. Donc voilà, il y a des marques qui ont accepté, qui m'amènent un colis, là, je vous en dis pas plus, vous le verrez. Donc, restez connectés sur la chaîne, vous le verrez. Donc voilà, je commence à faire des partenariats, je commence à faire des demandes avec des marques, discuter avec elles du prix, tout ça. Et ça commence vraiment pas mal. Donc, il y a eu des. Il y a eu, je voulais tester sur la chaîne YouTube le Osmo de chez DJI, là, le calibreur. Comment on appelle ça? Pour stabiliser, voilà, la vidéo ou la photo. Mais en fait, là, ils n'ont pas accepté. Mais voilà, je vais voir sur d'autres vendeurs parce que c'est pas le vendeur de DJI qui le vend, c'est un autre vendeur. Donc, les concours cette année, on va essayer d'en faire un ou deux, mais voilà, pas trop parce que quand même, voilà, j'ai pas assez encore de personnes sur la chaîne YouTube pour faire beaucoup de concours. Normalement, les concours ça commence à aux alentours de 50 000 abonnés, donc moi je suis assez gentil pour commencer des concours cette année, enfin l'année prochaine. Donc voilà, restez connectés sur la chaîne. Si on vraiment on augmente en abonnés, je ferai bien sûr des concours, ne vous inquiétez pas. Donc le but de la chaîne, c'est pas de faire des concours, hein, voilà, de rester sur la chaîne et d'attendre les cadeaux. Non, le but, c'est d'apprendre des choses, c'est de découvrir des choses, c'est de découvrir tout l'high-tech. Donc voilà, si vous aimez l'high-tech, vous êtes passionné de techniques, comment on fait tout ça, comment ça marche, tout ça, mais restez sur la chaîne, posez des questions s'il n'y a pas les vidéos, posez des vidéos, et moi, je vous en ferai. De la vidéo du concours. Donc à parler de la vidéo du concours, donc voilà, des 5 cadeaux high-tech pour moins de 100 euros. Donc sur cette vidéo, en fait, j'avais demandé d'atteindre les 70 000 abonnés. Et dans chaque vidéo que j'ai sortie à peu près à partir de juillet, j'ai demandé de partager les vidéos. Et les vidéos, on les partage pas en fait. Il y a des gens, ils prennent le partage pour rien. Ils se disent, bon, c'est bon, j'ai partagé, mais ça va rien faire plus. En fait, si tout le monde fait le partage, ça marchera. Parce qu'en fait, il faut y croire. C'est grâce au partage qu'il y a plus de vues. C'est grâce à la conne... c'est grâce, par exemple, il n'y a pas besoin de cliquer sur partager. Vous pouvez parler de ma chaîne, de ma chaîne YouTube à vos amis. Et votre ami ou vos amis va regarder ma chaîne YouTube. Et voilà, et ça va faire une vue de plus. Donc voilà, il n'y a pas que partager le bouton, il y a aussi partager dans le quotidien. Vous pouvez en parler à vos amis, tout ça, et vraiment on aurait beaucoup plus de vues. Donc il y en a qui m'ont écouté, on est arrivé à peu près à 105 vues, donc voilà, je vous mets la vidéo là. On est arrivé à peu près à 105 vues, et vous m'avez prouvé que vous pouvez partager, donc faites-le sur toutes les vidéos, franchement, parce que vous verrez que si on continue sur toutes les vidéos à partager, on va y arriver. Vraiment, n'ayez pas peur, c'est comme ça qu'on va y arriver, donc vraiment continuez sur le partage. On va parler des vues. Donc pour les vues, cette année, on a eu une amélioration à peu près. On a eu à peu près 30% d'amélioration, même un peu plus pour certaines vidéos. Donc il y a des vidéos où on monte pas au-dessus des 100 vues, mais on monte à 70 000, 70 000, 70 vues. Donc 70 000, 70 vues, ça commence. Mais voilà, sur 1 000 abonnés, je me demande mais comment je fais pour avoir 70 vues dans une vidéo? C'est pas possible. Donc peut-être qu'il y a des abonnés qui s'abonnent comme ça pour le plaisir, mais qui ne cliquent pas sur la cloche, ou qui se sont juste abonnés pour une vidéo et que le reste, ça ne leur intéresse pas. Ça, je suis d'accord, ça c'est à vous de voir. Mais pour les gens, voilà, qui sont sur la chaîne et qui s'en foutent des vidéos, ben je sais pas, mais ne vous abonnez pas. Alors si vous vous abonnez comme ça pour le plaisir, ça sert à rien. Autant vous désabonner, parce que sinon ça fait un abonné qui est mort, voilà, qui sert à rien. Donc voilà, sur les vues, on a au moins augmenté à peu près de 30%, donc ce qui est quand même correct. J'espère que cette année on va monter dans les 100 vues maxi, grand minimum, on va dire. Parce que maximum, je vais atteindre sur les 500 vues, même un peu plus. Donc voilà, et après cette année, il y a eu des fortes vidéos donc sur les cracks, tout ça. Donc c'est vraiment les cracks et les A qui ont été le plus fort sur cette chaîne YouTube. Voilà, ça c'est vraiment les vidéos les mieux. C'est les vidéos qui intéressent le plus les gens. Mais voilà, les cracks et les A, j'ai arrêté parce que j'ai monétisé mes vidéos. Et oui, et voilà, il faut faire attention parce que sinon YouTube peut faire l'inverse, il peut prendre de l'argent. Donc c'est assez dangereux. Pour les prochaines vidéos, donc pour l'année 2017, on va faire plein de nouvelles vidéos. Donc je vais essayer de faire des vlogs, des présentations de produits. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'essaye de faire des partenariats avec des marques. Donc je vais essayer de recevoir des produits, tout ça, de vous en tester. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça, en tout cas, n'hésitez pas à partager les vidéos, comme ça me donnera plus envie. Donc voilà, toujours des astuces sur Windows. Donc là, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur des astuces ou des trucs cachés sur Windows. Mais vous inquiétez pas, j'en ai prévu quelques-unes, ça va arriver. J'ai cherché des astuces, là j'en ai trouvé. Donc voilà, j'ai mis sur un dossier, sur mon bureau, fonctions cachées sur Windows 10. Et je vais me servir de ce dossier parce que j'ai marqué plein de fonctions cachées. Donc voilà, il y aura quelques vlogs, bon pas plein. Mais l'ordinateur se met en veille. Donc voilà.
Ça, on va le voir. On fera des vlogs, un peu de tout, mais pas trop quand même, parce que ça va quand même beaucoup de travail. Mais voilà. Cette année, j'ai fait un vlog ou deux, je sais pas, un vlog. Non, un deuxième, mais j'ai pas appelé vlog, c'était sur le jet ski. Et après, c'était sur la fête avec un abonné. Donc voilà, c'était un petit vlog, c'est assez sympa, mais c'était pas un vlog d'high-tech, donc je pense que certains d'entre vous, ça vous a pas plu. Mais voilà, c'était un petit vlog que j'ai commencé pour m'habituer dans les vlogs. Mais vous inquiétez pas, cette année 2017, je vais essayer de faire des vlogs de high-tech. Combien de temps que ça fait qu'on fait la vidéo là? Ça fait 10 minutes, ah oui. Donc, et on va continuer avec le matos sur la chaîne YouTube. Et bien, je pense que là, vous m'entendez très très bien. Hein, je pense que la qualité est vraiment excellente, on peut dire. Et oui, j'ai reçu plein de matos pour ma chaîne YouTube. Donc, j'ai reçu. Je vous en dis pas plus après, parce que j'en ferai une vidéo. Donc, j'ai reçu mon Canon. Donc, j'ai pris le 100D. Pourquoi? Parce que le 100D est vraiment plus compact. Et ce qui change la qualité, c'est juste l'objectif. Donc, j'ai pris l'objectif de base, le 18 mm. Et franchement, je suis assez content. Il est très bien. Il y a la stabilisation optique. Il y a tout. Il y a l'autofocus. Il y a vraiment tout. C'est le complet. Donc, le 100D, voilà. Il est plus petit. Il est plus compact. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas tourner l'écran qu'il y a sur l'appareil photo. Par exemple, voilà, je me filmais de face. Je ne peux pas tourner l'écran. Mais ça, c'est rien de grave. Parce que, voilà. Ça me gêne pas trop. Voilà, après vous m'entendez avec le micro, c'est le micro de chez Rode. Donc à base, je crois que je vous l'avais dit sur YouTube, je voulais prendre le zoom H1. Et le zoom H1, en fait, il y avait un petit sabot qu'il fallait fixer sur le Canon, mais je trouvais pas sur internet. Et je trouvais que le Rode avait une meilleure qualité pour un plus bas prix, avec comment ça s'appelle, qui se fixe sur le Canon. C'est en fait, il y a votre micro qui est fixé sur une base qui permet de couper le bruit sonore, par exemple les tremblements, tout ça. Donc je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, ça permet de pas entendre les claquements, tout ça. Donc ça isole bien le son. Donc voilà, le Rode est vraiment pas mal, il est compatible avec le Canon. Là, je l'ai branché sur le PC, donc je m'en servais un peu pour tout. Donc avant, j'enregistrais avec le Razer, et aujourd'hui je fais avec le Rode. Donc je ferai une vidéo comparaison entre les deux. Après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le drone, donc le drone de chez Takara, une entreprise japonaise. Donc c'est le Takara, je ne sais plus quoi, je vais vous dire. Donc c'est le Takara Wedgebreed, c'est le DMS 225, donc de chez Takara, une entreprise japonaise qui fabrique ses drones comme Sisma ou je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, en fait c'est un drone qu'on peut, on peut fixer une caméra, tout ça. Donc je vous en dis pas plus, restez connectés sur la chaîne, je vous mettrai ces vidéos je mettrai les vidéos de présentation sur les produits que j'ai eu. Donc j'espère que ça vous plaira. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu pour la chaîne YouTube? J'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu? Je crois que c'est tout. Oui, j'ai oublié de vous dire, avec le Canon, j'ai eu droit. En fait, j'ai pris le pack Fnac, en fait. J'ai pris le Canon 100D avec l'objectif et le sac. Donc voilà, le sac avec le Canon. Donc on peut ranger tout sur le côté. Donc je n'en dis pas plus. J'en ferai aussi une vidéo sur ce sac. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Pour cette année, on a eu vraiment de assez du bon matos pour la chaîne YouTube, donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, c'est ça, c'est tout pour le matos de cette chaîne YouTube. Donc je vous ferai une vidéo où je présente tout le matos, ou une vidéo par chaque objet high-tech que j'ai eu pour la chaîne YouTube. Mais voilà, on a assez du bon matos et j'espère que ça ira très bien pour l'année 2017. Donc voilà les amis, ben vraiment je vous remercie pour cette année 2016. Donc c'est la dernière vidéo, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné pour cette année 2016. Vraiment je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. Vraiment je demande aussi un grand merci dans les commentaires de la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir pour cette année 2016 qui m'a demandé quand même assez de travail. À côté j'ai l'école. Voilà, je suis pas le premier de la classe, donc vraiment je m'accroche vraiment aussi à l'école. Donc ça me demande beaucoup de travail avec l'école, ça, entretenir aussi parce que je fais du vélo et du quad, donc entretenir ce que je fais. Bon, je pense que vous en foutez de ça, mais voilà, je fais plein de choses à côté de ma chaîne YouTube. Donc vraiment, je demande juste un grand grand merci sur cette vidéo pour vraiment remercier de ce que j'ai fait cette année 2016, parce que vraiment ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail. C'était l'année la plus dure pour moi et j'espère que ça vous plaira, donc que ça vous a plu plutôt. Et j'espère qu'on passera une très bonne année 2016 ensemble sur cette chaîne YouTube. Donc voilà. Et bien voilà les amis, ben j'espère que ma vidéo sur cette année 2000, fin 2016 vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre le grand merci, ça ferait vraiment 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 plaisir sur cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, ben c'est tout. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo, donc Facebook, Snapchat, Instagram et ben c'est tout. Donc voilà, vous m'ajoutez sur les réseaux sociaux si vous voulez.
Et comme ça, moi, je pourrais vous parler. Si vous voulez, on fera des vidéos où on peut parler. Moi, vous m'envoyez un message, je vous réponds tout de suite. Donc, franchement, voilà, pour une demande d'un ami, je vous accepte. Voilà. Après, au bout d'un moment, je vous accepterai plus parce que s'il y a trop de gens sur la chaîne YouTube, j'ai pas envie d'avoir 5 000 personnes sur Snapchat. Donc, voilà. Mais voilà, vous pouvez discuter avec moi sur les réseaux sociaux. Je suis là, je vous réponds quand j'ai le temps. Mais voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas à mettre le commentaire aussi. Le gros merci en majuscule, avec des points d'exclamation, tout ce que vous voulez. Mais voilà, un grand, grand merci. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager cette vidéo à vos amis. Donc comme ça, vos amis verront la chaîne YouTube, comment s'est passé cette année, parce que j'ai tout récapitulé là. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Sur cette chaîne YouTube. Ah oui, avant de vous quitter, non, je vous dirai dans une autre vidéo au pire, parce que là on est en fin. Donc voilà. Et de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Et les amis, et on se retrouve dans une future vidéo en 2017. Et je vous souhaite une très bonne fin d'année et tous mes voeux, tout ça. Donc voilà, bonne année à tous pour 2017. C'est dans quelques heures. Donc voilà, moi je suis impatient de passer en 2017 pour commencer la chaîne YouTube en 2017. J'espère que ce sera un travail encore mieux et mieux préparé. Et ça, c'est à vous de me le dire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne année à vous tous et bonne fête et meilleurs voeux pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis, en 2017. Et je vous dis salut.